Ici tout commence, spoiler, preview épisode 403 diffusé le jeudi 19 mai 2022. Louis a préparé un petit déjeuner avec du poisson fumé pour aider Claire à retrouver la mémoire. Claire confie qu'elle a fait un rêve étrange, elle essayait de se relever dans la salle du bal. Jasmine l'empêchait de se relever, deux autres personnes lui mettaient des planches dessus. Louis dit que ce n'était qu'un rêve. Constance annonce à sa famille, elle envisage une reconversion professionnelle. Elle a envie de se lancer dans l'ostéopathie. Théo trouve que c'est courageux. Emmanuel dit qu'il trouve ça inconséquent. Il pense que les élèves ont besoin d'elle à l'institut. Constance veut prendre du temps pour elle. Anaïs et Salomé racontent à Elliot qu'elle a entendu Axel qui couchait avec Jasmine. Salomé ne croit pas à une coïncidence. Elle pense que c'est un sale coup de Jasmine. Olivia Listrac demande aux élèves de former des binômes première et deuxième année. Enzo se met avec Ambre et là c'est la déception. Le binôme Lionel et Deva a proposé un plat très réussi. Lisandro s'excuse auprès d'Anaïs d'avoir parlé à Lorraine. Anaïs annonce à Lisandro qu'elle a prévu de prendre la pilule abortive pour la semaine prochaine. Tessier convoque les élèves dans l'amphi pour leur dire qu'Ildir va proposer une masterclass sur comment revisiter les plus grands classiques de la pâtisserie française. En avant-première avant d'aller dans des écoles d'Europe la présenter. Il ne veut pas de touristes ni de feignasses dans sa masterclass. Mehdi veut s'inscrire, Greg et Hortense hésitent. Naël va mieux, les médicaments commencent à faire effet. Jasmine se confie à ses parents sur la tension avec une élève de l'institut, Salomé. Jasmine a peur qu'Axel craque pour Salomé. À ce moment-là, Jasmine reçoit un SMS lui disant qu'il passe pas ce soir. Olivia pense qu'Enzo a triché, il a piqué la recette à un chef. Olivia pense qu'Enzo a adapté la recette. Elle veut qu'il se dénonce sinon cela va avoir des conséquences. Constance dit à Emmanuel qu'elle veut arrêter de se sacrifier pour lui. Charlène leur dit que ça sert à rien de ressortir les vieux dossiers. Constance dit à Tessier que c'est terminé, elle ne l'attendra plus accroupir à la maison en attendant qu'il rentre.